On se retrouve pour le second épisode de Suluji en compagnie de votre maestro de hack de Super Mario World. Étant donné ma prestation de l'épisode 1, je peux dire que je suis devenu le top 1 du hacker de Super Mario World. Sans me vanter, hein, je suis bien meilleur que Kamel2G, faut pas déconner. En un épisode, j'ai retrouvé mon skill d'antan. Et ça va continuer, je l'espère. Bien sûr, ça va prendre avec des pincettes ce que je dis. Hein. Déjà là, rien que là, je le sens mal. Le petit dauphin. Allez. Ok, c'est cool. Non, sans déconner, on va continuer tranquillement avec mon niveau de néophyte, ce hack de Suluji, et on va voir ce que ça donne. sympa ce niveau avec les châteaux de sable. Je sais pas qui s'est amusé à les faire, sûrement les Goombas. Bref, on va avancer. Merci pour la vie. Tac. Oh putain, respecte-moi s'il te plaît. Non, on va pas prendre la fleur, ce serait une erreur. Ça aurait été une erreur si... je l'avais pris. Prise. Je sais pas parler. Oh, mais... Ah, et par contre, j'ai un souci avec le bouton bas. Parce que... j'ai tendance à faire diagonale de bas et du coup, ça fait de la merde. Oh, un niveau aquatique comme je les aime. Allez. Ça sera poisson grillé ce soir. Oh, par contre, c'est bête, il aurait pu changer la musique pour ce niveau aquatique. Enfin, cette partie de niveau aquatique. Parce que ça fait pas très aquatique comme musique, hein. Anyway. Oh, bah on arrive à la fin. On va dégommer tout le monde et on va faire 50, hein. Oh putain, je suis deg. Mais alors, 50, c'est du frame perfect, hein. C'est pour les connaisseurs de la. De la frame data, hein, comme ML2G qui connaît par cœur à quel frame taper pour avoir un 50. Tiens, c'est comme cette merde là, hein, je suis jamais su faire un grand chelem. Aïe aïe. Et je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire bugger le son. Bref. Donc là, on est plutôt dans un monde aquatique, hein. Précédemment, on était plutôt sur un monde de plaine. Et ça se ressent. Là, c'est une belle musique. Je sais toujours pas à quoi ça correspond, mais c'est une très belle musique aquatique, ça. C'est du miel pour les oreilles, des fois. Et là, pour le coup, c'en est... Enfin, je trouve, hein. J'aime bien la musique. Après, je peux concevoir que certains n'aiment pas les goûts et les couleurs. Mais moi, j'aime bien. Mais ouais, c'est vrai que je sais pas du tout de quel jeu ça peut venir. Alors vous remarquerez que j'ai une certaine haine envers les poissons. Voilà. Je sais pas pourquoi. Oh putain, ah ouais non, je croyais que j'étais plus dans de l'eau en fait, mais si. Oh non, il va monter jusqu'en haut cet enculé. Mais quel bâtard. Oh putain, je le sens... Ah, je suis pas confiant là par contre. Allez. Une petite fleur. Allez. Oh le. Merci. D'ailleurs, je ferais peut-être mieux de prendre justement la fleur parce que c'est peut-être plus pratique pour le coup dans ce niveau aquatique pour dégommer les poissons qui nous gêneront. Tiens. Mes amis de toujours. Bah, y en a plus. Bon, le niveau est plutôt simple pour le moment. Rien de compliqué. T'avances, enfin tu descends plutôt. Avec cette belle musique. Bon là, on se fait un max de pièces. C'est cadeau. Alors je sais plus à quel moment ça score,
on verra bien, hein. Ça sera surprise, hein. Vous allez me voir fail. De toute façon, vous aimez bien ça, un bande de sadiques. Alors, droite ou gauche? Ça revient au même. Enfin, je crois. Checkpoint à 226 de time, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Oh oui. Allez. Alors là, on voit plus rien par contre. Hein. Tout est sombre. Même le power-up est transparent, tellement c'est sombre. Il n'y a pas tellement de rapport entre le fait que ce soit transparent et sombre, mais bon. Ah non, je pensais me prendre une bille. J'ai jamais eu de chance avec ça. Mais si, ça va. Oh putain. Ça, c'est du frame perfect, ça. C'est du talent. Oh. Ok, ouais, on se détend. Respecte-moi. Merci. Oh, les petites billes. Ok. On continue. Ah, ça c'est typique de Sumerio, de mettre une porte entre deux billes shooter et 5 pièces sushi. Et ce serait bien un petit 50 encore une fois là. Enfin encore une fois plutôt. Oh putain, mais je vais pas y arriver. Je n'ai pas la frame data, je n'ai pas le frame perfect du jeu. Je ne peux atteindre le 50 comme MLDG pourrait atteindre un 1. Bref. Dernier niveau de ce monde, et on est à 6,50. Putain, ça va être des petits épisodes, je vous le dis. Rassurez-vous, les épisodes seront de plus en plus longs. Même si là, le contraire est prouvé. Et on va prendre les deux plumes, parce que j'aime ça. Même si c'est pas du tout pratique dans un monde aquatique. J'aime beaucoup la rime. Et là, je commence à laguer. Il y a beaucoup d'entités, je pense, qui font que... Ouais, oui. Avec ces petites merdes, là. Et là, je suis sûr, il y a un P. Ah non, c'est un one-up. Je suis deg. Enfin, je suis deg. C'est toujours bon à prendre une vie. Hein. Mais bon, prendre un risque pour une vie, est-ce que ça vaut le coup, vraiment? Je vous laisse sur cette question existentielle. Est-ce que ça vaut le coup de se faire dégommer pour une vie? Voilà. Ça sera la question du jour. Finalement, pourquoi la vie, hein? Pourquoi pas d'ailleurs. Et on arrive en blabattant au checkpoint assez rapidement. Avec la troisième pièce Yoshi. Car je ne suis pas un petit pipi. Je fais aussi les pièces Yoshi. Faut pas déconner. On est sur la chaîne de Shadows. Hein. La chaîne des pro-gamers. La chaîne de rien du tout d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai que ça tue ça. C'est un petit détail que j'ai oublié de prendre en compte. Donc un petit power-up en plus, ça serait pas mal, hein, pour me sentir en sécurité. Et là, je vais me faire toucher la gueule, non. En même temps, je gère dans les hacks, hein, faut pas déconner. Là, on va se concentrer un petit peu quand même. Ok, ok. Là, je commence à paniquer. Rien à voir avec le fait que je nique pas. Non, cette blague est trop infecte. Voilà, c'était le jeu de mots pourris. On va prendre la vie. Et on va mourir. Parce que je le sens très mal. Ah, dommage. J'aurais aimé le 50. Mais bon. C'est pas grave. On a quand même gagné une vie. Et on arrive au terme de ce... Ah, j'aurais mis 3 minutes quand même à faire ce stage. On arrive au terme de ce monde, donc je vous donne rendez-vous au troisième épisode. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.